Merci, merci pour l'invitation. Je sais que c'est plus compliqué pour moi, pour eux, mais j'aime échanger les débats sur le sujet. Alors, je vais être désolé, mais je n'ai pas le mec, je n'ai pas les infos. On est à quoi vous faites des brèves, sauf la droite et la gauche. Il y a des choses qu'on met sur la table, nous, parlementaires, par rapport au travail qui a été fait pour notre nom, et malheureusement, on n'a pas pu avoir dès le départ. C'est par exemple la prise en charge, meilleure prise en charge des éléments. Un meilleur accompagnement aussi des familles, sur interdire la rétention des familles. Parce qu'on est un pays où on retient des familles complètes avec une mère avant de passer une discussion, on pourra le faire quand on veut, mais on avait fait une mission avec mon collègue pour l'enjeu, on avait fait jusqu'à Mayotte pour voir comment ça fonctionnait et comment on pouvait améliorer les choses et faire en sorte que ça ne soit plus possible pour notre pays. Donc ça, c'est un débat qu'on a posé sur la permanence, qui est intégré à ce projet de loi. Dans ce projet de loi, il y a le fait de pouvoir essayer de transformer la circulaire PASS qui permet de régulariser les personnes qui sont très longtemps d'attente, plus de 5 ans maintenant, ou 3 ans quand ils ont un emploi et qu'ils sont hébergés dans le droit commun. Donc, ils permettent de faire des vraies régularisations sans avoir envie d'annoncer une régularisation de masse de 300 000, 400 000, 500 000 personnes. Parce que il faut aussi que d'un point de vue politique, bon, Yamiel a très bien dit tout à l'heure, les nationalistes et les populistes sont montés, et je pense qu'on va éviter aussi de les emmener à manifester violemment dans certaines de nos villes, comme c'était à Rennes, à Lyon ou à Strasbourg, et qu'on va tous le dénoncer d'ailleurs. Donc il y a aussi cette réalité qu'on va prendre en considération et combattre par la réussite, en montrant la réussite et l'intégration de ces personnes, des discours populistes, nationalistes, de Marine Le Pen, de Zemmour, de tous ces gens qui aujourd'hui détestent. Donc là, c'est un peu notre objectif. Dans ce projet de loi, donc ça, c'est déjà les informations que je peux apporter par rapport à ce projet de loi. Il devait être présenté ce matin au Conseil des ministres, je crois que ça n'a pas été fait. Peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Étant donné qu'il y a la fameuse loi Leucou qui arrive pour le ministère de l'Intérieur. À titre personnel, je m'investis sur le sujet. On a monté un groupe de travail aussi à l'Assemblée nationale avec Stella Dupont et Mathieu Lefer, à la base sur la partie financement et accompagnement, justement, pour l'hébergement, les besoins de cours de français, parce que même si on a modifié la loi, on est passé 200 à 400 heures d'accompagnement à la langue française. Le problème, c'est qu'on est dans un pays où on dit aux gens d'abord à parler et à lire, après de se réparer. Un peu logique, c'est l'inverse. Et dans tous les autres pays, on apprend d'abord à communiquer par la parole et après, pour le temps, la lecture et l'écriture. Donc, il y a tous ces budgets qu'on a mis en place, parfois, ils sont mal utilisés, ils sont parfois pas utilisés. Parce que même si la loi Collomb a fait aussi certaines choses, on peut quand même rappeler qu'elle a apporté aussi des critères. Pour les regroupements familiaux, les mineurs qui étaient présents sur le territoire national n'avaient pas le droit d'avoir des regroupements familiaux tant qu'ils n'étaient pas majeurs et qu'il y avait très traitement de la demande d'asile. Maintenant, ils ont le droit, et en plus, on prend les frères et les sœurs, chose qui n'existait pas dans le droit français jusqu'à maintenant. Les personnes qui sont victimes de violences sexuelles et de violences physiques sont automatiquement reconnues comme résidents français, chose qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant non plus. Donc, il y a quand même des droits complémentaires, il y a des nouvelles directives pour pour les filles au père, pour les étudiants, pour les chercheurs, pour les travailleurs, qu'on n'avait pas juste dans notre pays. Et malgré ce qu'on peut prendre, on n'est pas le pays avec la loi C'est juste que je pense qu'on est mal structuré, on est mal organisé. Et aujourd'hui, quand on a, par ancienne région, un seul guichet unique pour traiter les demandes d'asile, ça crée malheureusement des images utilisées par l'extrême droite, pour dire, regardez, ils sont en train de nous envahir, alors que ce n'est pas le cas. C'est juste qu'on envoie tout le monde au même endroit et c'est très compliqué de faire exactement les demandes et les préfectures sont parfois des lois. Pas toutes, parce qu'il y a des pressions différentes selon les territoires. Par exemple, je prends la Moselle, on a beaucoup de demandes d'Albanais ou d'Albanophones, de personnes qui arrivent d'Allemagne, surtout des Afghans, pour des demandes de droit d'asile en Allemagne. Donc, vu qu'ils sont dublinés, le système européen, c'est encore plus compliqué pour traiter la demande d'asile, d'autres sont passés par l'Italie, d'autres par la Belgique. Donc, on doit les accompagner, les prendre en charge correctement, dignement, parce qu'on parle d'être humain, et pas simplement de numéro ou de personnes d'origine de tel ou tel pays. Il y a ce besoin, voilà, de faire en sorte que toutes les préfectures puissent jouer leur rôle sur le territoire national, de faire en sorte de ne pas mettre les mêmes personnes en difficulté ou qui viennent d'arriver dans les mêmes endroits que des personnes qui sont déjà arrivées et en difficulté. Parce que si on est passé par la préfecture, les personnes qui viennent obtenir l'asile, on les met automatiquement dans les banlieues, dans les quartiers difficiles, comme si c'était là que ça allait mieux s'intégrer que dans tout, alors qu'il y a un besoin aussi sur tous les territoires. Dans la ruralité, comme dans les petites villes, dans une moyenne de besoins de personnes qui peuvent être mieux prises en charge en termes de scolarité, en termes de travail, en termes de formation professionnelle et de formation à la langue française. Donc, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait une meilleure répartition territoriale et de ne pas faire en sorte d'avoir des images qu'on peut voir dans les préfectures,
on n'a plus assez de sites d'hébergement de gens. Malgré les places ont été ouvertes, on a, excusez-moi le terme, mais entre les deux, des problèmes de gestion, un réservoir. Moi, je vois chez moi, la majorité des demandes, c'est tchétchène, géorgienne, albanophone. On a un peu d'Afghans qui arrivent d'Allemagne. Globalement, on n'a pas les mêmes demandes que les personnes qui sont en région parisienne, autour de la métropole de Lyon, de Marseille, de Lille, qui peuvent prendre en considération. Parce qu'il y a aussi des fois des familles qu'on a depuis longtemps. Il y a des amis, il y a des personnalités qu'on connaît parce qu'au village, on les a côtoyés pendant longtemps, on est au même endroit. Ça a été comme ça de tout temps. Les grands-parents, quand ils sont arrivés, ils ont été là où il y avait justement de la famille ou des amis capables de pouvoir s'accompagner pour le travail, pour la formation de la langue française. Donc, c'est humain en fait, de se retrouver là où on a une connaissance et qui peut nous accompagner. Prendre aussi en considération le fait que quand on a passé 15 ans à travailler dans des champs, dans des origines, de vous envoyer pour faire, j'allais dire, de la propreté à la CPUL ou alors à l'usine, il y a un choc aussi culturel quand on arrive au territoire national, parce qu'on n'était pas préparé à ça, et qu'il y a peut-être aussi un savoir-faire qu'on peut valoriser, et on peut donner à ces personnes le droit de continuer par leur métier d'origine, celui qu'ils avaient dans leur pays quand ils avaient arrivé dans ce territoire national. Et moi, j'aimerais qu'on évite d'exploiter toujours les mêmes personnes dans les entreprises en tension. On a parlé de propreté tout à l'heure, on a parlé d'hôtellerie restauration, les personnes demandeurs d'asile, réfugiés ou alors qui sont autorisés à être international, ne sont pas des esclaves modernes, ne sont pas de la chair à canon pour cette entreprise, ça c'est important aussi. On le voit sur certains territoires où on a plein de saisonniers qui arrivent, on les oublie une fois que la saison est terminée, et après ces mêmes personnes qui les ont embauchés, qui les ont fait venir sur le territoire national, vont voter à l'Assemblement national ou à l'extrême droite, pour dire qu'il y a trop de migrants dans notre pays. Donc c'est plus possible, et c'est pour ça qu'on doit modifier les critères d'accueil et d'accompagnement au travail. Ça fait partie, normalement, de ce projet de loi, c'est les échanges entre les Grecs et Gérard Darmanin. Avec Fabienne Keller, on essaie de faire bouger la ligne européenne, parce que si on ne bouge pas la ligne européenne, les conversions d'autres, on sera toujours embêté. Parce qu'il y a un package asile européen qui est un peu bloqué. Il y a un très, très bon travail de Sylvie Alvio qui avait été fait précédemment. Je crois que vous l'apercevez après. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec elle en plus sur le sujet pendant le rapport. Et il y a besoin que l'Europe bouge et rapidement. Parce que ce qu'on voit, alors on peut parler de la France et ses défauts, mais ce qu'on voit, en on voit mal, on voit mal. C'est on est la honte et la raison du monde entier. La Turquie a beaucoup mieux géré tout et on est incapable de le reconnaître. Mais quand on en place 7500 personnes sur un camp, dans un camp qui a 1500 places à base, on est humain et on a perdu nos valeurs européennes et c'est important de le dire et de le reconnaître aussi. Donc il faut bouger les valeurs européennes et on peut plus se permettre d'avoir les images que nous avons vues avec la Hongrie ou la Pologne. Des personnes qui attendent d'avoir un péage et des chiens qui leur reçoivent. C'est de l'intimité humaine, ce n'est pas de valeur européenne. Pour revenir sur l'Ukraine, parce que je parle de l'Union européenne, la différence, c'est que l'Union européenne s'est réunie, du moins le Conseil de l'Union européenne s'est réuni à part en 2022, et avec un statut spécifique pour les Européens, donc protection temporaire, qui leur permet de se déplacer n'importe où au sein de l'Union européenne, de pouvoir être protégé en termes de santé, de pouvoir avoir assez au droit du travail, d'avoir un hébergement, un accompagnement, parfois des aides au logement. C'est un statut spécifique qui a été créé que pour eux, mais comme on peut l'avoir pour toute personne résidant sur le territoire européen qui se déplace dans les pays européens, on peut rester 3 mois, 6 mois, 9 mois, même longtemps, tant qu'on peut justifier de la capacité à être autonome et de ne pas être. On peut subvenir à ses propres besoins et ne pas attendre de l'état dans lequel on arrive, le besoin de pouvoir être hébergé directement au logement social ou alors en accompagnement financier parce qu'on n'a pas de travail. En fait, c'est des lois qui existent déjà au niveau européen qui fonctionne plutôt bien. Aujourd'hui, la différence, c'est que les Ukrainiens ne font pas de statut de réfugié. Et ça fait toute la différence. Le statut de réfugié ou de déplacé fait toute la différence dans la prise en charge. Alors, ce débat est complexe, parce qu'aujourd'hui, on est soutenu dans d'autres pays, il y a des besoins. Et la réalité, c'est qu'on attend qu'ils traversent, des fois des consulats entiers pour les traiter. Avec Marita, carrément libre dans ce rapport, on demande à ce que tous les ambassades reconnues Schengen, donc la consulat multiple européen, qui doit donner un droit d'asile européen ou national, puisse le faire depuis les pays d'origine ou des pays qu'on a traversés. Donc, de les demander directement dans des ambassades, dans des consulats, pour éviter justement la traite humaine, pour éviter les réseaux de passeurs, pour éviter l'exploitation des femmes, souvent, qui arrivent parfois dans notre pays par la prostitution, par d'autres moyens. Et la loi doit mieux les protéger, même si aujourd'hui, il y a une reconnaissance sur la porte de l'un. Elle dénonce la personne qui les a exploitées, donc automatiquement, en titre de vie. C'est beaucoup plus simple, je pense que les avocats présents autour de moi diront que c'est beaucoup plus complexe à appliquer la sévérité à prendre en considération. Donc tout n'est peut-être pas parfait dans notre pays. Et je pense que
par rapport à d'autres, on fait quand même pas trop mal, beaucoup chaud, on a des budgets beaucoup plus élevés que d'autres sur l'accompagnement social, l'accompagnement sanitaire, l'accompagnement à la formation professionnelle, à la formation dans les scolarités classiques, à la formation de la langue française, mais on a aussi, malheureusement, concentré beaucoup trop de populations au même endroit. Et ça pose des véritables difficultés. Quand on est déjà sur un territoire en difficulté sociale, en difficulté pour avoir du travail, on y rajoute des personnes encore plus en difficulté, et ça crée encore beaucoup plus de difficultés, ce qui pousse, après avoir des discours parfois limites du ministre de l'Intérieur, sur certains sujets. Mais ça, c'est entre lui et nous, et c'est à nous de montrer qu'on n'est pas toujours d'accord sur cette idée-là. Donc l'Ukraine, j'ai répondu. Ce qu'on doit améliorer, je vous l'ai dit aussi. Ce qu'il y aura d'un projet de loi, malheureusement, je ne le sais pas. Mais on espère le faire bouger rapidement. Vous avez des parlementaires de la majorité aujourd'hui qui essaient de faire bouger les lignes sur ce sujet. On a parlé beaucoup de finalité de parité. On essaie de faire du transpartisan, avec certains collègues du Parti Socialiste, d'Europe Écologie. On le fait aussi avec les Républicains qui, eux, par contre, ont fait deux voix beaucoup trop permissives et trop gentilles avec des personnes qui n'ont pas vocation à rentrer sur le territoire national. Mais au sein de Républicains, on a des personnes capables de travailler intelligemment en termes de dignité humaine et de parler toujours sur une ligne dogmatique politique. Et que ces parents se rapprochant des mots de l'œil qui ont pu parler au contraire de la pensée, comme d'autres quand ils vont trop sur leur gauche, ils peuvent se perdre aussi, ils sont écartés. Et il est important de rappeler que nous sommes unis par les mêmes valeurs de dignité, de liberté, d'égalité, de fraternité. Et quand je parle de dignité, c'est la base de tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est la dignité humaine et d'apporter des réponses en lien avec ça. On en a déjà parlé sur d'autres sujets, sur la discrimination, sur la contre le racisme. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces personnes qui ont le droit de travailler ne travaillent pas. Alors que la loi leur permet de faire. On parlait d'ailleurs du droit du travail. La loi disait qu'avant c'était 9 mois pour un demandeur d'asile. Maintenant c'est 6 mois. Il faut juste prouver qu'on a fait une demande d'asile à l'OFPRA et que l'OFPRA ne sont pas statués sur un profil. Et c'est souvent, le métier malheureusement l'intention, mais il y a la possibilité de travailler au possible. Chose qu'on n'avait pas. Il y a la prise en charge des cours de français dès le départ et pas simplement pour qu'ils obtiennent le statut de réfugié. Donc ça change les choses aussi, ça permet une meilleure intégration. Et si on continue à avoir des traitements de demande d'asile qui prennent 3, 4, 5 ou 6 ans, on va laisser un espoir à des personnes à qui on dira derrière pour repartir dans notre pédagogie, alors qu'ils se sont installés. Donc certains ont recréé une nouvelle vie. Et quand on a recréé une nouvelle vie, on a envie de dépasser cette nouvelle vie pour reprendre les vies qui ne nous correspondent plus, qu'on a oubliées, qu'on a laissé prendre les soins d'inversion. Donc nous, l'idée, c'est de la réduction des délais, et plutôt pour apporter aussi la réponse en tant qu'utilité humaine, de faire en sorte qu'on ait des personnes qui soient mieux accompagnées et mieux traitées quand ils demandent l'asile, quand ils demandent la protection française. Et aujourd'hui, on a des personnes qui attendent depuis 5 ans, 6 ans. Et on va mettre carré, ils sont 6, 7, 8, et la demande d'asile est toujours en cours de traitement. Et il y a des personnes qui n'ont pas vocation à obtenir l'asile. Le pays, c'est le cas, par exemple, de tous ceux qui sont assimilés Schengen. S'ils sont assimilés Schengen, c'est qu'on parle de persécution policière, bien sûr, et qui peuvent avoir toute la liberté d'entrer et sortir de notre pays, du territoire européen. D'autres, pour d'autres raisons, pour leur homosexualité, pour des raisons politiques, ou parce qu'ils sont eux-mêmes directement touchés, comme on l'a vu avec la Tchéquie, la Turquie ou d'autres pays, même si les Chinois n'ont pas vocation à se protéger, parce qu'ils ont été assez libres à notre pays. Parce que dans leur pays, il y a un risque pour leur vie, il y a un risque pour leur santé, ils ne peuvent plus leur parler le lendemain. Donc il y a toutes ces protections qu'on n'avait pas chez moi qui existent. On doit apporter, on doit améliorer franchement les conditions d'accueil pour notre pays. Elles sont indignes, et je pense que tout le rapport des associations comme Nassima, Médecins du Monde, la Croix-Rouge et d'autres. Donc ça, c'est la réalité qu'on le désarme. Je crois que le ministre des Solidarités est en phase. Et nous, la question qu'on a posée, qu'on peut poser actuellement en face, c'est celui de l'immigration. C'est un prisme sécuritaire ou c'est un prisme social et sanitaire pour l'accompagnement des personnes qui sont parfois très mal. Ne peuvent pas être bien soulevés dans la vie. Justement, nous demandons cette protection, cet accompagnement pour leur donner l'espoir de pouvoir continuer à vivre, j'allais dire, en bonne santé et libre. Et donc, c'est le débat que nous posons aujourd'hui à la santé. Certes, il y aura de la communauté pour certains sujets, parce qu'il y a des devoirs et des devoirs, mais l'idée, c'est quand même qu'on revienne sur quelque chose de plus humain. Je pense que le président n'a jamais dit l'inverse. Par moi, c'est dans la traduction des textes, dans les échanges avec les ministères, on n'est pas toujours d'accord. Et le président lui-même, je pense qu'il a toujours été plutôt clair. De dire les choses et de faire les choses, alors c'est à nous de rassembler très largement pour faire en sorte qu'à la rentrée, sur le texte de l'argument de janvier 2023, on puisse avoir une majorité plurielle capable de faire avancer les différents points qu'on aborde tout à l'heure. Merci beaucoup.
quelqu'un qui n'est pas présent pour vous.